Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 25 juillet 2024. Message intemporel, n'est-ce pas ? Ça parlera à certains et ça ne parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise hein, pour prendre ce qui vibre en vous. Petite philosophie du matin, en retrait. Lors d'une discussion animée ou d'un conflit, eh bien, mieux vaut rester en retrait plutôt que de s'énerver et de polémiquer. On peut regretter une colère passagère, mais rarement une maîtrise de soi. Voilà pour la petite philosophie de ce matin. Alors aujourd'hui, faites grandir la douceur. Pardon. Ah, est-ce que certains d'entre vous, vous êtes durs envers vous-même ? N'en avez-vous pas assez d'être trop exigeant, exigeante envers vous-même ? Cessez immédiatement cette mauvaise habitude. Qu'est-ce qui vous prend de toujours, eh bien, vous réprimander avec des reproches ou de la culpabilité ? Que vous ne méritez pas. Pourquoi ? Il y a de fortes chances, n'est-ce pas, que vous soyez incapable d'être aussi dur avec vos enfants ou votre meilleur ami. N'est-ce pas ? N'est-ce pas que j'ai raison ? Commencez dès maintenant, eh bien, à vous donner de l'amour. Beaucoup d'amour et de la douceur. C'est tellement important. Ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Et vous pouvez le faire par des gestes, des décisions et des actions simples. Vous êtes en mesure de faire grandir la douceur dans votre vie. Alors, par exemple, quand vous dites non aux autres, c'est pour vous dire oui. À vous-même, n'est-ce pas ? Oui, pour être reconnaissante de qui vous êtes. Oui, pour vous offrir plus de tendresse chaque jour. Vous offrir de la douceur. Eh bien, c'est être en harmonie avec vos choix, vos besoins, vos désirs, vos valeurs. Et votre identité. Et c'est honorer aussi votre corps, votre petit cœur et votre esprit pour qu'il soit en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Petit rituel, n'est-ce pas, de la douceur. En premier lieu, s'il vous plaît, cessez de vous comparer. Les forces des autres n'enlèvent rien aux vôtres. Soyez heureuse, heureux de les expérimenter et portez surtout attention, eh bien, à mieux connaître vos forces à vous. Je vous invite à les nommer. Nommez les trois forces qui vous qualifient le mieux. En second, permettez-vous de prendre, par exemple, des bains de sel et allumer des bougies que vous placerez autour de vous pour laisser pénétrer une belle vibration d'amour et de paix. Amusez-vous. Amusez-vous à vous préparer un cocon douillet, rempli de douceur et d'attention. Et en troisième lieu, faites quelque chose que vous ne faites jamais afin de changer l'énergie et de vous ouvrir
à vos belles vibrations. Ce moment, eh bien, ce moment vous nourrit et vous permet de continuer votre route avec grâce. Plus vous vous offrez à la douceur, plus vous vous sentirez serein. Quel beau message, n'est-ce pas? Faire grandir la douceur maintenant. Si certains d'entre vous, vous n'êtes pas indulgent, vous êtes très sévère avec vous, eh bien, ne soyez pas dur envers vous-même. Vous êtes une belle personne et dites que vous avez fait de votre mieux, que vous faites de votre mieux avec les outils que vous avez. Et s'il vous plaît, soyez doux, douce envers vous. Je termine avec la pensée positive. Je me demande comment puis-je aider. Quand je donne aux autres, à ma communauté et à ma société, je participe à la création de la bonne fortune dans le monde. Voilà la pensée positive pour ce jeudi. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour le dernier message de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.